OK. Ça, c'est le premier modèle faut que tu construis. Fait que deux petits blocs rouges en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs noirs. Je pense qu'il y a 3 tracks rouges. Et la petite gear là qui fit sa track. Là, tu voyez-vous, là, je peux bouger cette affaire-là. Parce que le moteur il est pas complètement baissé. OK? Fait que juste quand je vais tester le programme, ça, je peux juste peser sur le moteur. Puis après ça, il va être engagé dans la gear. Puis là, après ça, ça pourra plus bouger, là, cette affaire-là. OK? Fait que tu places ça sur ta plaque noire. Après ça, tu prends tes deux fils. Tu rentres ça là-dedans. Tu prends les petites vis. Fais certain que c'est bien pris, que les fils, ils dépassent pas. OK? Fait que le vert, la partie verte dans le vert, rouge. Après ça, tu les emportes ici. Tu vas dans Input 1. Tu branches tes fils. Ça n'a pas de différence quel, si tu mets rouge ou vert. Mais ce qui est important, c'est que disons qu'il y aurait plusieurs moteurs. Tu fais rouge-vert. Bien, tu fais encore rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert. Pour ces fils-là, tu vas partir du digital 0. OK, fil blanc. Il va aller dans Engage dans direction 1. Puis Engage 1, il va aller dans le numéro 1 ici. OK, fait que de 1 à 1 Engage, de 0 à direction 1. Fait que ton plugage aura quelque chose de même. OK?